Viens maintenant, communique ta parole. Amen. Que nous ne soyons seulement un simple instrument, un canal par lequel tu vas passer, au Jésus, pour parler à ton peuple. Amen. Ton peuple a soif de toi. Amen. Toi qui es la parole. Amen. Toi qui arranges toutes les choses. Laisse que cette parole, ô Dieu, que tu vas nous communiquer cet après-midi, trouve place dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique. Amen. Prends le contrôle de ces temps et le reste des temps. Que tout ce que l'ennemi peut amener en ce lieu, la distraction, le voyage des pensées et toute puissance démoniaque, ô Dieu, s'éloigne maintenant de ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prends le contrôle de toutes les choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous disons amen. 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 Nous asseoir. J'ai béni l'Éternel, notre Dieu, pour ma présence encore une fois de plus en ces lieux. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. J'ai béni aussi l'homme de Dieu pour la confiance. J'ai béni tous ses collaborateurs. Et je vous bénis aussi parce que vous avez laissé vos occupations. Vous êtes bénis en ces lieux pour adorer, louer et glorifier votre Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons commencé depuis l'année passée vers la fin de l'année au mois de décembre sur un thème qui concerne nos familles. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre un sous-thème qui est intitulé « Venez et servons l'Éternel ». Venez et servons l'Éternel. C'est un appel que Dieu est en train de nous lancer cet après-midi, de lui servir. Bien-aimé, quand on dit servir Dieu, cela veut dire tout simplement faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes tous appelés à faire l'œuvre de Dieu.
Et actuellement, dans nos églises, nous semblons abandonner cette œuvre-là à une catégorie des gens que nous appelons pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, docteurs. Peut-être aussi les diacres et les anciens. Alléluia. Amen. C'est comme si nous sommes venus seulement accompagner ces gens-là. Nous sommes venus pour être des spectateurs. Nous sommes venus pour être des assistants. Alléluia. Amen. Or, dans l'église de Dieu d'aujourd'hui, bien-aimé, il n'y a pas un assistant. Il n'y a pas un spectateur. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, à chacun dans sa catégorie. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu es servante de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Ne recule pas. Aujourd'hui, nous allons voir des différentes étapes ou des différents lieux où nous pouvons servir l'Éternel. Quand Jésus avait dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20, il a dit: allez et faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les. Amen. Amen. Ce n'était pas une parole qui était adressée uniquement aux serviteurs de Dieu que nous appelons les serviteurs de la parole. Mais c'était une parole qui était adressée à tout le monde. Et comme je l'ai dit, nous semblons abandonner cela à une catégorie de gens. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, chacun de nous, si tu ne sers pas encore, en tout cas, je t'en supplie par le nom de Jésus de prendre ton engagement aujourd'hui. Amen. Le champ de Dieu est tellement grand. La Bible dit que le champ de Dieu est grand, mais il y a peu des ouvriers. Alléluia. Amen. Il y a peu des serviteurs. Moi, je crois et je prophétise déjà que dans cette église, dans les jours qui viennent, sera une très grande église. Amen. Alléluia. Amen. Et nous ne voulons pas être confronté à un problème de serviteurs, de carence de serviteurs. Par exemple, lorsqu'on va commencer à planter des cellules, nous sommes à Beauvais, on va planter à Paris, on va planter à Rennes, on va planter à Lille, on va camp des dieux de Bordeaux, camp des dieux, je ne sais pas, de Bruxelles, camp des dieux de Londres, camp des dieux des États-Unis, camp des dieux du Congo, camp des... Bien aimé, qui va aller travailler là-bas? Nous voulons... Merci. Vous voulez qu'on prenne le pasteur Joël, qu'on le divise par morceaux? Amen. Amen. On prend les bras des pasteurs Joël, on l'envoie à Paris, les bras gauche à Lille, les pieds gauche à... Non. Amen. Amen. C'est vous. Raison pour laquelle Dieu nous a donné ce thème. Venez et servons l'Éternel. Lisons la parole de Dieu pour avancer. Nous sommes dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 28 à 29, si quelqu'un peut nous aider à faire cette lecture-là, par respect à la parole, si nous pouvons nous lever pour écouter la parole de Dieu. Joël, chapitre 2, versets 28 à 29. Je lis dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 28 à 29, je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Reprenons nos places. Bien-aimés, si Dieu nous a donné ce passage, parce que tout le monde se retrouve dedans, on parle
des jeunes. Hein? Donc, après cela, je répandrai mon esprit sur toutes chairs. Sur toutes chairs. Vos fils et vos filles vont faire l'œuvre de Dieu. Ça continue pour dire les veillards auront des songes. Vos jeunes gens, des visions. Même les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Chacun de nous a un esprit de Dieu. Dieu a dit, il a répandu son esprit sur nous. Mais cet esprit que Dieu a répandu sur nous, ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit qui va nous envoyer sur les champs de bataille, sur les champs pour prêcher la parole de Dieu. Ici, je l'ai dit tout à l'heure, toute catégorie est concernée. C'est-à-dire qu'on parle des jeunes. Si tu es jeune là, tu m'écoutes aujourd'hui, Dieu t'appelle. Alléluia. Amen. Quel que soit ton âge, si nous lisons dans l'Ancien Testament, nous allons voir que Dieu appelait des petits enfants. Des petits enfants, ils commençaient déjà à servir Dieu à un âge trop bas. Amen. Amen. Moi qui vous parle, j'ai commencé à servir, j'avais 12 ans. Bien sûr que c'était dans l'église catholique, mais à 12 ans déjà, si j'ai bonne mémoire, je tenais déjà la soutane, c'est comme ça qu'on l'appelle, non? Des prêtres. Amen. Amen. Je lisais la lecture, comme on dit, première lecture, on me donne, il fait valir. Je lisais déjà. J'étais un jeune légionnaire, légionnaire de Marie. Je vous salue Marie, plein de grâce, tout ce que vous connaissez. J'ai fait ça. Mais j'étais à l'école primaire, si je ne m'abuse pas. Amen. Amen. Peut-être aussi ton âge d'il y a 12 ans, tu es là. Nous voyons aujourd'hui à l'internet, dans les réseaux sociaux, nous voyons des petits enfants en train de prêcher. Ils sont comme vous. Amen. Amen. C'est-à-dire que personne n'a le droit de reculer aujourd'hui. Nous devons tous mettre la main dans la pâte pour servir Dieu. Amen. 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 Que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, hein, on n'a pas tellement les soucis de servir Dieu. Ça fait mal. Que ce soit les jeunes, les adultes, on n'a pas ces soucis-là de servir Dieu. On a les soucis de servir le monde. On a les soucis d'aller travailler, ce n'est pas mauvais. On a les soucis de créer des activités, ce n'est pas mauvais. C'est de faire des affaires, ce n'est pas mauvais. Mais laisse-moi vous dire, il n'y a pas une meilleure activité que celle de servir l'Éternel, notre Dieu. Amen. 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 Maintenant, nous avons des endroits où nous allons commencer d'abord à servir Dieu. Le premier lieu où nous allons commencer d'abord à servir l'Éternel, c'est nos églises de la maison. Dites Amen. Amen. C'est là. Ça commence par là. Nous lisons Josué chapitre 24, verset 15. On va lire certains versets aujourd'hui qui peuvent nous permettre de comprendre ce que nous disons aujourd'hui. Josué 24, verset 14 à 15. 14, on commence par 14. Josué chapitre 24, verset 14 à 16. Je lis au nom à 15, pardon. À 15. Pardon. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec l'intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne pouvez pas, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on peut répéter la dernière phrase? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Allons-y.
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Ça commence là. Ça commence dans nos maisons. Faisons des cultes maisons. Je pense que même la fois passée, on avait parlé de ça. Mais aujourd'hui, on va insister, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si nous sommes à l'église, l'église c'est un endroit qui réédique. C'est un endroit où nous venons pour avoir la connaissance de Dieu. Et ce que Dieu nous donne comme connaissance, nous devons mettre ça en pratique. Bien-aimés, essayons de former des cultes maisons. Dans nos maisons, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que ici, Josué qui dit, maintenant, à partir d'aujourd'hui, à l'instant même, au moment où nous sommes en train de parler, commencez déjà à voir qu'est-ce que je peux faire pour former, pour créer un culte maison dans ma famille. Maintenant, servez l'Éternel maintenant, à partir de la maison, rassemble, tu as ta femme, tu as tes enfants, c'est déjà bon. La Bible dit là où deux déjà, même si vous n'avez pas encore des enfants, là j'insiste, vous deux là, commencez déjà à prier. Vous êtes déjà deux, priez déjà, commencez déjà à faire votre culte à deux. J'ouvre une parenthèse. Pourquoi des couples sont confrontés à des problèmes? C'est à cause, je donne la réponse directement, l'absence de Dieu, l'absence de la prière. Amen. Ce que Dieu veut détruire coûte que coûte, c'est le couple. Quand Adam était seul, le diable ne l'avait même pas approché. Parce qu'il était seul, il vaguait dans ses activités comme il voulait. Il était seul. Mais lorsque Dieu a jugé bon de créer une autre personne pour la mettre à côté d'Adam, et lorsque Dieu a fait ce projet-là, le diable est arrivé. Alléluia. Amen. Afin de diviser. Quand le diable vient, il ne vient pas pour badiner avec vous. Il ne vient pas pour blaguer. Il vient pour faire son œuvre. Et son œuvre, c'est la destruction. Son œuvre, c'est la séparation. Son œuvre, c'est le vol. C'est l'égorgement. C'est ce que le diable fait. Il fait ça au quotidien. Alléluia. Amen. Et si vous êtes déjà à deux, faisons très, très attention parce que l'ennemi va venir pour pouvoir vous diviser. Amen. Amen. Et lorsque un enfant vient, bien-aimé dans le Seigneur, et que l'enfant trouve déjà la chaudière, il va emboîter les pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais si l'enfant vient, il trouve que dans cette maison-là, il y a la tiédeur, il n'y a rien, il n'y a pas la prière, il va aussi emboîter les pas, il ne va pas prier. Faisons très attention avec nos enfants au niveau des bas âges. J'ai lu quelque part où un monsieur qui était condamné à mort aux États-Unis, et il a laissé une note, une lettre à sa maman. Il dit, maman, si je suis aujourd'hui condamné, c'est parce que c'est toi le vrai problème. Parce que lorsque j'ai volé le vélo de mes amis, je venais avec ça à la maison, toi tu prenais ce vélo, tu cachais ça. Ça dit que la maman encourageait le mal. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des mamans, ne soyons pas des parents qui encouragent le mal. Je suis toujours dans cette parenthèse-là. Pour dire aux parents, nous devons faire très très attention. J'ai vu hier une vidéo de Londres, je ne sais pas si vous avez vu ça aussi, une compatriote congolaise aussi qui parlait, que ses enfants à l'école, quand ils partaient à l'école, les missionnaires donnaient des livres sorcelleriques. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Amen. Amen. Et les enfants amenaient des livres à la maison. Si la maman ne contrôle pas, les enfants auront la sorcellerie que vous n'avez pas, même pas désirée. Parce que vous ne pouvez pas désirer la sorcellerie dans ta maison. Amen. Et les parents, nous devons être vigilants envers ces enfants qui sont là. Oui, c'est bien bon d'acheter des téléphones, de donner aux enfants. Actuellement, avec l'évolution des temps, oui, on est dit ce qu'on ne vient pas. On donne des enfants des téléphones, mais il faut avoir les suivis. Parce qu'ils sont dans leur chambre. Ce qu'ils font là-bas, vous ne connaissez pas.
Si vous n'avez pas le suivi, bien aimé dans le Seigneur, il peut y avoir un interdit qui va entrer dans ta maison sans que tu le saches. Les enfants, je reviens pour dire que nous devons créer des cultes maison avec nos enfants. Quand un enfant arrive, il trouve le culte à la maison, il saura déjà comment prier. Nous avons une prière en ligne et vous allez, les mamans qui ont habitué déjà leurs enfants, vous allez voir, ces enfants-là qui ne comprennent absolument rien, mais ils disent Amen, Alléluia, Amen. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle apprentissage. Ils disent Amen comme ça dans l'imaginaire, hein. Ils ne savent pas ce que cela signifie, mais c'est déjà une semence. C'est déjà la semence. Il faut continuer sur cette lancée-là. Et si vous n'arrivez pas à apprendre Jésus à vos enfants à la maison, ils vont apprendre les diables dehors. Donne-moi un bon Amen. Amen. Parce que quand tu apprends à ton enfant que Jésus n'aime pas ça, il n'aime pas ses comportements pareils, l'enfant va écouter. Même s'il est dehors, on lui présente quelque chose, il peut facilement dire non, 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 ma maman ne fait pas ça. Amen. Mon papa ne fait pas ça. Mais si toi tu ne l'apprends rien, il trouve quelque chose de mauvais dehors, il apprend. Parce que pour lui, ce n'est pas interdit. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, compte tenu des temps, nous allons avancer. Là, c'est hyper important de créer des cultes de maison dans nos familles. Papa, tu es là, maman, tu es là. Vous faire un peu de relève. Aujourd'hui, papa, c'est papa qui conduit. Demain, c'est maman qui conduit. S'il y a un enfant de 10 ans, quelque chose comme ça, l'enfant aussi peut conduire la prière. Vous priez, vous ouvrez la Bible, vous lisez un seul verset. C'est important déjà. Les enfants sortent à la maison pour aller à l'école. Mais ce n'est pas interdit que toi, tu puisses mettre ta main sur tes enfants. Prie pour les enfants et pose la main sur les enfants. Seigneur, j'abandonne mes enfants entre tes saintes mains. Couvre mes enfants par le sang de Jésus. Ce qu'ils vont manger là-bas, Seigneur, je les purifie déjà à l'avance par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le chemin, le véhicule que mes enfants vont prendre pour aller à l'école. Il y a des accidents qui arrivent. Le monde a tellement changé. Le monde d'avant, ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Depuis que vous êtes arrivé en Europe, là, vous n'avez pas écouté encore les crépitements des balles de canon. Là. Non. Mais aujourd'hui, ça arrive, c'est arrivé. Hein. En Europe, en plus, c'était, avant, c'était les Africains qui sont traités comme ils veulent. Mais aujourd'hui, dans ma colonne, c'est la guerre. Hein. Amen. Amen. C'est-à-dire que nous devons aussi changer notre mental. On ne peut pas voir les choses de la même façon. Il faut changer. Nous comprenons que le temps tend vers la fin. Il faut que nous puissions, nous en tant que ceux qui sont réveillés, parce que nous sommes réveillés, nous devons prendre des dispositions. Amen, amen. Amen. Le deuxième lieu où nous allons servir l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à l'Église. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4, 11 à 12. Servons Dieu à l'Église ici. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vie de l'œuvre du ministère. Alléluia. Et de l'édification du corps du Christ, la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ça c'est ce qu'on appelle les serviteurs du premier degré à l'Église, ou encore les serviteurs de la parole. Nous avons aussi les serviteurs du deuxième degré, on appelle diacre, assien. Amen. Amen. Nous avons aussi une autre catégorie de serviteurs qui soutiennent l'œuvre de Dieu.
Amen. Amen. Ah, voilà, amen et quitte. Voilà, on va l'inga en côté. Voilà, amen et quitte. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes obligés. Je l'ai dit au départ ici que cette église, demain, ça ne sera pas comme nous voyons là. Amen. Non, non, non. Peut-être cette salle que vous voyez là, ça sera petite. Celle-là, là, celle-là. Amen. Amen, non? Donne-moi un bon amen. Amen. Celle-là sera petite. Amen. Il faut voir grand. Amen. Il faut voir grand. Parce que ce n'est pas seulement Beauvais. Même ces damiers vont venir ici. Amen. Même ceux de Creil vont venir ici. Amen. Et comment Copienne ici. Amen. Amen. Mais nous devons nous préparer en conséquence. Il faut se préparer. N'attendons pas qu'on arrive à ce moment-là et puis on va chercher. Vous allez chercher des serviteurs qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, le monde des serviteurs, c'est un monde foutu. Excusez-moi les termes. Hein. Oui, je dis la vérité. Hein. Oui. Le monde des serviteurs aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. Non, c'est compliqué. Parce que nous voyons ça par des actes. Mais il faut que les enfants maison. Enfants hein, maison. Enfants maison. Là, papa, il dort tranquillement. Il n'a pas de problème. Il dort sur son lit tranquillement. Mais c'est vous. Aujourd'hui, là, on va faire. En tout cas, je ne vais pas finir comme ça. Je vais faire un appel. Qui veulent servir Dieu. Amen. Amen. Il faut battre ça les Lanzambé, bien aimé. Amen. Nous sommes ici pour servir Dieu. Nous avons vu la première catégorie ici. Les apôtres, les évangélistes, les prophètes, le docteur, les pasteurs, ainsi de suite. Ils sont là. Mais pour qu'ils deviennent comme ça, là, ils ont reçu les appels. Peut-être toi aussi, tu as déjà reçu l'appel. L'appel peut venir à travers les songes. Les vrais moyens, les vrais canaux, c'est par lesquels Dieu communique à son peuple, c'est par les songes. Amen. Depuis les anciens temps jusqu'à aujourd'hui. Si Dieu t'a déjà parlé de quelque chose par rapport à son service, qu'est-ce que tu attends? En tout cas, voilà maintenant la langue là qui a monté, mais il dit qu'il y a un mot moko, on va l'obéir à celle-là, à ça pour hésiter. Tu vas venir ici aujourd'hui. Bien aimé, Dieu t'a déjà parlé. Tu as eu un songe, tu es en train de prêcher. Tu as eu un songe, tu es en train de parler de la chose de Dieu. Tu as déjà eu ce songe-là. Qu'est-ce que tu attends? L'homme de Dieu est là. Approche-toi de l'homme de Dieu. Il est là pour former les serviteurs. Il y a l'appel. Nous voyons dans le cas de Samuel. Il était dans le temple, il dormait. Et Dieu est venu. Samuel, Samuel, Samuel. Il ne discernait pas la voix de Dieu. Il est allé voir et il dit, hey, papa, est-ce que tu m'appelles? Non. Deuxième fois, troisième fois. L'homme dit, non, 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 non. Ça doit être la voix de Dieu. Va, si tu t'appelles encore, dis, mais voici Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Amen. Hein? Amen. Si Dieu t'appelle, il te donne une mission. Il a appelé Jérémie à son bas âge. Il dit, je ne sais pas parler. Comment je vais faire? Il dit, non, je vais t'envoyer. Avant que tu puisses entrer dans le ventre de ta maman, moi, je te connaissais déjà. Et je t'avais déjà fait, comment, prophète des nations. Amen, amen. Amen. Il y a peut-être des questions que tu te poses. Mais comment je vais commencer par où? Viens poser ces questions-là à l'ange de l'église. Il est là. Il a besoin des serviteurs pour l'édification, pour le perfectionnement. Quand il sert Dieu, nous sommes là les saints. Tel que nous sommes là, nous sommes des saints. Comment la terre, on a ça qui bon? Non, nous sommes l'église des saints. Nous sommes ici pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ. C'est la mission des serviteurs de Dieu de premier degré. Amen. Amen. Nous avons aussi des serviteurs de Dieu que nous on a appelé les serviteurs de deuxième degré qu'on appelle les diacres qui s'occupent de l'intendance de la gestion de l'église et des anciens.
Amen, amen. Amen. Nous avons aussi ceux qui ne peuvent pas, qui ont été tenus de leur temps, de leur moulin, mais ils sont là pour soutenir l'œuvre de Dieu. À l'époque de Jésus, Jésus qui était Dieu, il ne pouvait pas avoir besoin des gens. Mais quand nous lisons la parole de Dieu dans Luc, je pense, Luc chapitre 1, verset 1 à 3, je pense, si papa peut nous aider. Luc chapitre 3. Luc 8, 1 à 3, s'il vous plaît. C'est 8. Oui. Luc chapitre 8, verset 1 à 3, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Qui faisait quoi? Qui l'assistait de leur bien. Est-ce qu'on pouvait assister Jésus? Parce que c'est un Seigneur, non? Est-ce qu'on pouvait l'assister? Mais compte tenu du ministère, bien-aimé dans le Seigneur, des fois, nous regrettons quand nous parlons de ces choses, les gens ou bien l'Église murmurent. Ne murmurez pas. Quand vous venez, cette œuvre que vous voyez là, l'évangélisation, l'évangile, comme je fais là, je le fais gratuitement. Amen. Amen. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Amen. Parce qu'il faut aller et faire, enseigner. Amen. Amen. Mais si nous n'arrivons pas à donner de notre argent, là je vais être clair, pour que l'œuvre de Dieu avance, on va faire comment? Cette salle n'est pas gratuite, non? On va faire comment? Si vous ne pouvez pas servir en tant que serviteur de premier degré, deuxième degré, mais il y a le troisième degré. Quand nous allons chez les féticheurs, les marabouts, tous ces gens-là, Là, chez elle, nous n'hésitons pas. Là, c'est, on dit, tu donnes, ta mère va mourir. Mais à cause de l'argent, tu dis, ah, prenez-la quand même. Tu as sacrifié un être cher, un être humain, une âme de Dieu, à cause des biens de ce monde, de l'argent. Amen. Amen. Parce que chez ces gens-là, il n'y a rien de gratuit. Mais tu quittes là-bas, tu viens ici à l'église. Là où on te donne la vie, on te dit, donnez pour l'œuvre de Dieu, tu dis, niette, je vais enrichir les pasteurs. Écoutez-moi bien. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vais vous révéler quelque chose. À l'époque d'Adam et Ève, avant de tomber, c'était la même parole qui était prononcée par les diables, les serpents. Il disait quoi? Dieu vous a-t-il réellement dit, si vous mangez ces fruits, vous allez mourir? Ève, qui était en face du serpent, a dit, parce qu'elle connaissait la parole, oui, effectivement, Dieu nous a dit ça. Il nous a permis de tout manger. Mais en ce qui concerne cet arbre-là, ces fruits-là, nous ne pouvons pas manger parce que le jour où nous mangerons, nous mourrons. Le diable a récupéré la parole. Il a dit, non, vous ne mourrez pas, mais vous allez devenir comme Dieu. Amen. Amen. Après cela, Ève a pris, elle a mangé, elle a donné aussi à son mari, Adam. Ils ont mangé les deux. Est-ce qu'ils sont devenus comme des dieux? Non. Les maîtres des mensonges, les patrons des menteurs, s'appellent le diable. Jean 8, 44, je n'ai pas le temps de lire ça. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la même parole qui revient, mais on ne fait pas attention. Est-ce que Dieu a réellement dit de donner des dîmes? Amen.
C'est la même parole. Parce que le diable, il est tellement rusé, il a changé seulement la forme. Et il a lancé sur le terrain ses adeptes pour parler. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train d'enrichir les pasteurs? Regardez ces pasteurs, regardez la voiture qui roule avec, regardez sa maison, regardez. Et nos cœurs sont devenus lourds. On ne donne pas. Parce que nous sommes en train de... C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Moi, j'ai fait des fois des analyses. Quand j'ai 1000 euros, par exemple, j'ai 900 pour moi, 100 pour Dieu. Mais je vais seulement grignoter encore sur les 100 là. Les 100 de Dieu là, je vais encore prendre quelque chose dedans. Amen. Amen. Personne amène à bien. Amen. Ah oui. On va insister. Amen. De ce côté-là, on n'a pas peur. Nous, on est en train de parler de la part de Dieu. Amen. Et c'est pour votre bénédiction. Amen. Bien aimé, nous devons faire très très attention. Jésus qui était Dieu, il pouvait appeler l'argent comme il voulait, mais il y avait des gens qui étaient derrière lui pour soutenir son ministère. Sinon, au niveau de l'église, nous n'arrivons pas à soutenir cette œuvre ici des camps de Dieu. Qui va venir faire à notre place? Imagine les francophones, nous francophones, nous sommes vraiment en retard. Allez voir les anglophones, ces gens-là ont compris la chose de Dieu. Allez au Nigeria, allez au Ghana, allez aux États-Unis, allez même en Angleterre à côté ici. Vous allez voir que leurs églises sont différentes aux nôtres. Là, tu vois des choses, des quartiers, tout quartier construit. Non, ça dépasse l'entendement humain. Mais nous, le diable a tellement pris place dans nos cœurs et nous ne voulons pas contribuer à l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas prendre un engagement. Un engagement de contribuer pour l'œuvre de Dieu. S'il vous plaît. Amen. Amen. Quatrième catégorie des serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui prennent l'engagement de partager la parole de Dieu dans les réseaux sociaux. Là, je vais insister là-dessus. Amen. Amen. Nous, chrétiens, là, je pense que papa même passe sur Facebook et puis YouTube du lundi au vendredi. Est-ce que toi, tu partages? Dès qu'il passe, est-ce que toi, tu as le temps de partager? Autant en Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu partages? Tu ne partages pas, mais quand on va voir ce que tu vas partager là, quand peut-être tel a parlé là, les choses qui ne donnent pas la vie là, c'est ce que nous partageons. Nous chrétiens, c'est ce que nous partageons, les choses qui ne donnent pas la vie, les choses inutiles là, nous sommes en train de partager. Quand nous on est en train de voir le papa prêche là, au minimum 100 vues, ou bien 200, mais dans les bêtises, 1 million de vues! Oh Seigneur! Et qui donne la vie là-bas? Ce sont des chrétiens. C'est nous. C'est nous. Nous, on est en train de zapper les choses de Dieu et on est en train de se plaire avec les choses du monde. Bandeko, Dieu qui te donne le souffle de vie là. Amen. Dieu qui te donne la bonne santé là. Amen. Si tu connaissais le prix du souffle de vie. Si tu connaissais, regarde, ma soeur vient de dire ça ici tout à l'heure. Ce qui se passe là-bas. Bien aimé, il y a des gens qui sont sortis comme ça, mais pétouillent. Oui. Tout laissé à la maison. Oui. Tout des comptes bancaires. J'ai lu l'histoire d'Ukraine avant-hier. Non, c'est un pays extrêmement riche. Oui. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Sous-sol ukrainien, bourré de mines. Je ne savais pas. Moi, je croyais qu'Ukraine, c'était un pays comme ça. Même la France, on ne peut pas comparer la France à l'Ukraine. Le sous-sol français, rien. Par rapport à l'Ukraine, ici, il n'y a rien. Amen. Amen. Mais ces gens-là, tous les riches qui étaient là, les milliardaires, les millionnaires, je ne sais pas comment, ils ont tout abandonné. Oui. Un clin d'œil. Tout bascule dans un clin d'œil. Ça bascule. Tu te retrouves réfugié. Réfugié, on t'a poussé par la force.
pour aller se réfugier en Pologne. Sans rien. Toi qui ne manquais pas les pains. Mais d'emblée, tu commences à demander. Tu commences à demander, est-ce qu'on ne peut pas me donner ne fût-ce que les pains. Bien aimé, ça doit nous enseigner. Elle le dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tu vas encore suivre les millions qui sont restés dans la banque? Même toi et moi qui nous sommes là, nous avons des comptes bancaires, non? Oui. On ne souhaite pas. Je ne peux même pas arriver là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, nous, on va chercher l'avion rapidement. Ou bien on va encore retrotter dans la mer pour chercher à traverser. Mais ça ne va pas arriver ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais nous devons changer notre manière de faire. Bien aimé, servons Dieu avec nos biens. On a besoin d'envoyer les gens, même en Angola, pour aller prêcher. Mais ça demande des moyens. Ça demande des moyens. Mais qui va donner ces moyens-là? C'est nous. Nous devons soutenir les camps de Dieu. Nous devons soutenir l'ange de l'Église. Nous devons soutenir le serviteur. Nous devons soutenir pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Et si nous ne le faisons pas, qui va le faire à notre place? Amen, amen, amen. Nous avons les serviteurs des réseaux sociaux. Partagez les messages de Dieu. Partagez les messages de Dieu. Quand vous avez un bon message qui tombe dans ton téléphone, partagez. Quand il y a quelqu'un qui peut recevoir ces messages-là, il est sauvé. Amen. Ne partageons pas, je ne sais pas, que Dieu nous aide, parce que là encore, c'est vraiment un problème. Alléluia. Amen. Quels sont les avantages pour celui qui sert Dieu? Je disais à quelqu'un que quand je vois les hommes de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, Dieu bénit à travers son service. Dites amen. Amen. On va lire Exode chapitre 23, versets 25 à 27. Nous allons voir les avantages pour celui qui sert Dieu. Exode chapitre 23, versets 25 à 27. Exode chapitre 23, versets 25 à 27. Verset, oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terre devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous les ennemis. La parole du Seigneur. Amen. Tu as compris, non? Amen. Quand on sert Dieu, Dieu te prend en charge. Amen. La première des choses, il a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira. Il bénira votre pain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais manquer à manger. Amen. Oui, peut-être il dit, on peut ne pas besoin de bazar, on va lire à bazar. Amen. Amen. Mais quand tu sers Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la sécheresse ne peut jamais entrer dans ta maison. Amen. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu. Amen. Deuxième chose, il est écrit, il bénira vos eaux. J'ai lu un article, ça m'a fait même peur, la façon dont on est en train de fabriquer de l'eau là. Des fois, ça fait peur. Alléluia. Amen. Mais que Dieu bénisse tous ceux que nous sommes en train de manger et de boire dans ce pays. Amen. Parce qu'il y a tellement de faux. Amen. Amen. On ne savait pas avant, mais actuellement, on est en train de révéler tellement de choses. Ça fait mal. Mais que Dieu nous aide. Amen. Quand on sert Dieu, Dieu éloignera la maladie. Alléluia. Tu ne
ne sera pas malade. Il va éloigner la maladie. Qui veut être malade ici? Personne. Ne croyez pas que, non, j'ai ma carte vitale. Non, il y a d'autres produits que tu vas acheter. La carte vitale ne prend pas ça en charge. Ben oui. Amen. C'est ça, non? Amen. Amen. Mais on dit, amen, si on dit, ce produit-là, c'est combien? C'est 20 euros, c'est 50 euros. Tu vois, pour ta santé, tu vas acheter. Hein? Tu vas acheter. Mais on dit, il faut venir à l'église, il faut servir Dieu. Dieu va t'épargner. Amen. Tu ne veux pas. On te dit, soutiens l'œuvre de Dieu. Tu dis, non, ça, héros, pour le soutien. Tu prends même un engagement, non, chaque mois, moi, je prends l'engagement dans mon salaire-là, 50 euros, c'est pour le service de Dieu. Chaque année, tu mets dans l'enveloppe. Bien-aimé, tu ne perdras rien du tout. On ne récolte ce qu'on sait. Ne croyez pas que si tu ne sèmes pas, tu vas récolter les vents. Celui qui sème les vents, il récolte quoi? La tempête. Les vents et la tempête. Baba, maman, tata, beau. Ils sont ici des jumeaux. Amen. Mais si tu sèmes pour l'œuvre de Dieu, un jour, bien-aimé, vous savez, il y a des prières. Peut-être, la Bible dit, vous priez mal dans le but de satisfaire vos passions. Pourquoi Paul a dit ça? Parce qu'il y a prières. Il y a des prières où tu réveilles seulement la mémoire de Dieu. Il dit, réveille ma mémoire. Tu vas réveiller la mémoire de Dieu par comment? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas rappeler à Dieu? Un homme sur la croix, il a dit, l'autre a dit, toi qui es Dieu là, comment tu peux te ressusciter, sauve-toi, sauve-nous aussi. Et l'autre l'a réprimé, dit, non, il ne faut pas dire ça. Celui-là, c'est un saint. Nous méritons ce que nous avons fait. Lui-là, il ne mérite pas ce sort-là. Amen. Il est saint. Il a regardé à Jésus, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. Amen. Jésus a dit non, Agnès, pas l'élo. Maintenant même, nous serons aussi dans l'élo. Nous serons, je serai avec toi au paradis. Pourquoi Jésus a dit ça? Dieu, il a réveillé la mémoire. Seigneur, j'ai fait quand même. J'ai parlé de toi, non? J'ai parlé de toi. Seigneur, souviens-toi de moi parce que j'ai parlé de toi. Seigneur, je viens de parler. T'as écouté, non? Je viens de parler. Souviens-toi de moi. C'était d'office automatique. Jésus a réagi. Parce que l'homme a posé un acte. L'acte que tu poses, bien évidemment, Seigneur. Tout ce que nous faisons dans le Seigneur, ce n'est pas en vain. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Dieu, il est Dieu. Quand il te promet, il va les réaliser. Amen. Que les jours passent ou quoi, qu'il y ait des barrières, des limites, mets dans ta tête, comme lui l'a dit là, ça va se réaliser. Amen. Tu vas rappeler Dieu par rapport à quoi? Tu fais quoi pour l'œuvre de Dieu? Tu fais quoi? Souviens-toi de moi. Je suis ton serviteur. Regarde ce que j'avais fait là, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Un jour, ce n'est pas pour se vanter. Excusez-moi, je vais vous donner un témoignage. On était à l'église comme ça, là, à Kinshasa, à Pascal. Fait les années, je pense, 96 ou bien 96, comme ça. On avait un problème sérieux de la parcelle. Moi, je n'avais rien. Ma poche, rien du tout, il n'y avait rien. Mais le problème était là. Vous savez ce que j'avais fait? Les souliers que j'avais portés ou bien les chaussures que j'avais portées là, je ne connaissais même pas sa valeur. Mais j'ai dit, même si ça coûte un franc, je vais donner ça. J'ai enlevé mes souliers. Amen. Amen. Je suis allé déposer là-bas. Je suis rentré chez moi, j'ai envoyé mon fils. Va me chercher de ma part par ma bouche. Je suis rentré chez moi, mais les pieds nus à cause des lèvres de Dieu. Amen. Amen. Un jour, on a fait les appels par rapport toujours. Parce que l'église manquait la place. J'avais un terrain à Mikonga. J'ai dit, prenez, comment on appelle ça? Fiche parcellaire. Allez prendre cette parcelle, vendez ça. Comme ça va compléter l'église. Bien aimé dans le Seigneur.
quand il pose des bons actes pour l'œuvre de Dieu, ata leloti. Makamunga salawana, leona na basapatu combien? Amen. 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 À l'époque, je, si j'ai bonne mémoire, je n'avais que cette chaussure-là, il y a dimanche. Chaussure à dimanche, hein? C'est-à-dire que quand là, tu as baqué, tu n'as pas dit, on est fan de la musique. Pour le dimanche, chaussures de dimanche. Mais ce dimanche, elle a dit, je me débarrasse de ça. J'ai combien de chaussures aujourd'hui? J'ai combien de baskets? Comment pour la reprendre? Je ne vante pas. Hein? C'est un témoignage pour nous réveiller un peu. Hein? Amen. J'avais acheté à Mikonga un terrain. Mais là où j'habite aujourd'hui, que Dieu m'a fait grâce pour construire, pour habiter, ce n'est pas à Mikonga. C'est dans le centre-ville, c'est à Ngiringir. Amen. Donc j'ai cédé Mikonga. Dieu m'a donné à Ngiringir. Amen. Dites Amen quand même, non? Amen. Au moins, tu es un miracle. Amen. Des fois, tu vois, terrain à Mikonga. Mikonga, c'est au fond, au fer fort, au léger aéroport Kuna. Mais j'ai cédé Mikonga. Il m'a donné un guérigui dans un bon lieu bien construit. Alléluia. Amen. À cause de l'œuvre de Dieu. Quand il donne les tiens, il ne perd pas. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Peut-être aujourd'hui, tu es tenté de s'aimer. Tes mains restent vides. Tu donnes, ça reste vide, mais Dieu seul sait. Amen. Soutenons l'œuvre de Dieu. Tu ne seras jamais malade, comme on nous l'a dit ici. Même dans ta maison. Même tes enfants, même ton mari, même ta femme, la maladie va s'éloigner de ta maison au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit encore, il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme, non, ni femme qui avorte, wow, ni femme stérile. On enlève les pays, on met la maison. Si tu n'as pas encore d'enfant, tu es marié, que tu n'as pas encore d'enfant ici. Mboula oye, et si le lobo moto rouge a zemina combo na yes. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu. Amen. Dieu ne peut pas t'abandonner comme ça, te laisser. Non, non, parce qu'il avait fait tel acte. Dieu n'est pas dans les actes là. Étant donné que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu tourne le dos à tout ce que nous avons fait avant. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Tu vas concevoir cette année au nom de Jésus. Amen. Même si tu conçois le lota oyo. Ah, madame, tu vas dire lobby, pardon. Amen, amen. Amen. Je voulais dévier, hein. Je voulais encore rentrer le samedi là. C'était un samedi chaud. Très, très chaud. Samedi à l'obitaki paiement. Pardon. Il fallait que le pasteur joue là, ça passe sur la voie. Amen. Je vais vous parler de la sortie. Je vais vous parler de la. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà les avantages pour celui qui sert Dieu. Il dit, je remplirai le nombre de tes jours. Je ne vais pas vous parler. Bien-aimé, je ne vais pas vous parler. Ma promesse est de conquister. Au nom de Jésus, la mort, Moussika. Amen. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'éternel. Ici là, tolé la moutouté, ma combo na yes. Amen. Que ce soit nous, les membres de nos familles, cette année ici, pas question de mauvaises nouvelles. Pas question. Maladie, pas question. Tous nos bien-aimés qui sont malades, même qui sont, si sont actuellement dans leur maison, que la guérison les suive là où ils sont, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pas question de, même si tu es là, tu te sens quoi, là, je déclare dans le nom de Jésus que la maladie quitte ton corps, quelle que soit. Oh, maladie incurable, devant mon Jésus, il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y en a pas. Jésus guérit toutes sortes de noms. Quel que soit son temps, il est arrivé à Bethesda. Il a trouvé quelqu'un qui a fait 38 ans malade. Écoutez-moi, 38 ans malade, on ne comptait pas ton son âge. Mais s'il avait 50 ans, sa vie, il avait combien? 88 ans. Alléluia. Mais ces jours-là, que le médecin du Seigneur, quand Jésus vient faire quelque chose dans ta vie, il ne prend pas une semaine.
Il ne pleure pas un jour. Ce jour-là, devant ces messieurs, bien aimé dans les Saint-Dias, il dit, il a prononcé son nom de lève, toi prends ton lit et... C'est fini. Amen. Et le monsieur a pris son lit, il est parti. Amen. 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 Et pour toi, ça sera pareil. C'est que tu as cherché, ça a mis tellement longtemps et qu'il n'a pas encore trouvé. Aujourd'hui, je proclame dans le nom de Jésus. Reçois la chose que tu cherches au nom puissant de Jésus. Quelqu'un, Dieu n'est pas Dieu. Dieu, il est le Dieu des temps, effectivement. Mais il n'est pas le Dieu de la durée de ton problème. La durée, là, c'est le métier. Ça fait combien? Oh là là, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand t'as de non, non, on ne peut pas. Il faut faire. Ça, c'est les médecins ici. Mais nous avons les médecins des médecins. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va nous donner la longévité. Quand nous servons Dieu, il nous donne la longévité. Amen. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples, tous tes ennemis là. L'ennemi bazar à la bango. Alléluia. Amen. Chacun de nous a ses ennemis à lui. Que tu veuilles ou pas, les ennemis sont là. Amen. Mais le Dieu que nous servons, bien aimé dans le Seigneur, va mettre tous nos ennemis en déroute. Il aura le temps où tu viens comme ça, tu rencontres ton ennemi, il dévie. Akimiyou. Pendant qu'on a autant de voitures. À cause de la puissance de Dieu. Amen. Parce que tu es serviteur de Dieu. Amen. Amen. Nous avons dit, parce que je suis en train de chiter, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons servir Dieu. Dans la première catégorie, ou bien le premier degré, pasteur, évangéliste et consort, tu es le bienvenu. Si tu es là, tu veux venir, tu viens. Ou bien tu soulèves seulement ta main comme ça. Qui veut servir Dieu en tant que serviteur, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que prophète, en tant que. Il y a 5 ministères qui veut servir Dieu. N'hésitez pas. Si Dieu t'a déjà parlé que. Si Dieu t'a dit, tu as déjà eu un songe, je suis en train de servir Dieu. Toi, tu sers déjà. Tu sers déjà, ma soeur. Si tu as déjà eu un songe, soulève ta main seulement. Je ne vois pas les mains. Ah, ok. Lève-toi, s'il te plaît, on va prier pour toi. C'est un enfant. Va lever ton truc là, s'il te plaît. Ah, acclamons pour Jésus. Oh, Seigneur. Tellement du bien. Amen. 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 C'est ce que j'ai cherché. Ou des enfants comme ça. Pour servir Dieu. Mais moi, j'ai dit souvent, le passé m'avait donné 100 ans. Dans le fond, il y a 6 mois, il y a des gens qui étaient là. Il y a des gens. Amen. Viens, mon enfant, viens. Ah, ça m'a fait tellement du bien. Il y a encore un enfant qui veut servir Dieu. Viens t'asseoir ici. Tiens, serviteur. Assieds-toi à ma place là-bas. Amen. Tiens, serviteur de Dieu. Amen. Tu vois, tel qu'il est là, un jour, vous allez me donner raison. C'est un grand serviteur de Dieu. Amen. C'est un grand serviteur de Dieu. Et nous allons voir ça. Il va commencer à servir Dieu dans les bas âges. Il va commencer à servir Dieu dans les bas âges. Et c'est très important. Hein? Chez les catholiques, on voit ça. Hein? Ah, ben oui. Voilà. Amen. Amen. Qui veut encore. Donc, je suis en train de parler aux jeunes. Qui veut encore venir? Viens ici. Voilà. Viens. Mets-toi là-bas. Viens. Qui encore? Venez. Ah, acclamons pour Jésus. Viens. Ah là là, ah là, serviteur. Oh, Jésus. Amen. Amen. Ce sont nos serviteurs. Amen. Ils vont
vont servir Dieu. En tout cas, ceux qui ont mis la porte au cadre, amen. Papa, s'il vous plaît, prenez ces enfants, prenez soin d'eux. Amen. Amen. Ok. On va passer. Qui va prendre l'engagement pour servir Dieu par rapport à Yambongo? Tu prends l'engagement. Ceux qui ont déjà des engagements, ne venez pas. Ceux qui ont déjà des engagements, tu as déjà pris un engagement de servir Dieu, ne viens pas. Ne soulève pas ta main. Soulève seulement ta main. Tu dis, moi, je serve. Tu dis pas ce que. Tu ne me dis rien. Mais prends seulement l'engagement dans ton cœur. Et cet engagement-là, tu le prends devant Dieu. Ne me parle pas du montant que toi tu vas donner. Moi, j'aurais seulement besoin de ton nom, 1.3. Ne parle pas des montants. Les montants, tu les prends avec Dieu, dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, je donne autant. Ferme d'abord les yeux, prie. Que non, Seigneur, mon Dieu, je vais prendre un engagement. Fais-moi grâce que je puisse remplir l'engagement que je vais prendre aujourd'hui. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu peux rester calme, tu es en train de penser, qu'est-ce que tu vas faire? Comment je vais faire pour prendre cet engagement-là? Balinga minangana le bâton à linga les a vraiment motuya makasi de Golangaï. Dans Sunga Mosala Nzambe. Serre Dieu comme les femmes là. Ce n'était pas de n'importe quelle femme. On a dit la femme, l'autre femme était la femme d'étendant d'Hérode. Imagine! La femme d'étendant d'Hérode. C'est-à-dire que son mari travaillait à la présidence. Mais ces femmes-là ont pris l'engagement de servir Jésus. Amen. Amen. Qui ont pris des engagements? Oui, papa, fils, Jean, frère? Jean-Joël. Jean-Joël, pardon, excusez-moi. Frère Jean, frère Joël, qui encore? Frère? Trésor. Notre frère, qu'on nous prenne les noms s'il vous plaît, parce que c'est déjà important. Prenez les noms de frère Joël, frère Jean, Trésor. Oui, nous avons des frères. Prenez le nom de ma soeur. Donnez le nom là-bas s'il vous plaît, ma soeur. Maman? Marie-France. Hortense. Maman Hortense. Vous allez voir chaque mois, hein, c'est pas chaque jour, hein, chaque mois vous verrez le papa, vous allez régler avec lui. Qui encore? Oui, soulève la main bien, ok. On ferait prendre le nom de ma sœur là-bas au fond. Claudie. Simaldi. Ah, pas comment ma casse pour rien. Yamindele. Hein? Alliance avec Dieu. Oui, signe de mon alliance. Ah, signe de mon alliance avec Dieu. Ok, effectivement. Ok, merci. Qui encore? Ok. Je pense que on va s'arrêter là. Nous allons nous lever pour prier. Je pense que vous avez écouté la parole. Demande quelque chose à Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur de te servir. Bien-aimé, c'est vraiment important de servir Dieu. Il y a des gens, peut-être on est en train de chercher les boulots, mais le boulot c'est ça. Peut-être tu cherches le boulot, on dit non, je cherche le boulot, mais le boulot que Dieu t'a appelé là, peut-être c'est pas ça que tu fais là. On ne se pose même pas la question parce que nous sommes en Europe. On ne pose pas la question. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as appelé? Je vais faire quoi? Tu m'as envoyé au monde pour faire quoi? Quand ce que tu fais là, ce n'est pas ton boulot. Prenez de ton boulot. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est ça plutôt. Et si tu commences, tu vas voir que tout va s'ouvrir. Nous sommes au fond.